à tous les électeurs de la 8e circonscription de Paris et puis à tous les marcheurs qui se sont extrêmement mobilisés dans la campagne présidentielle. C'était très bien, on a fait un très beau score, mais ça ne servira à rien si les 11 et 18 juin, vous n'envoyez pas Laetitia à l'Assemblée nationale. Qui, mieux qu'une avocate, pour plaider votre cause ? Moi, j'ai un biais personnel. J'ai une mère avocate, j'ai une femme avocate, et donc j'ai une tendresse particulière pour Laetitia. Il faut qu'elle puisse siéger demain à l'Assemblée. Elle est gage de renouvellement, elle est gage de jeunesse, elle est gage de compétences. Beaucoup de choses qui font défaut aujourd'hui à certains de nos parlementaires. Comme je suis dans la bienveillance, je n'en citerai aucun. Mais il faudra mener un combat très dur, rue à rue, appartement par appartement. Vous pouvez compter sur elle. Elle est dans l'aventure En Marche depuis le début, depuis les premiers jours, depuis la rue des Plantes, en passant par la tour Montparnasse et puis la rue de l'Abbé Groux. Maintenant, il faut en faire une députée de la nation. Ce sera franchement le fait, ce sera la promesse républicaine tenue et elle en est la plus belle incarnation. Alors je compte sur vous, mobilisez-vous et faites une magnifique campagne dans cette belle circonscription de Paris. Bon courage.